En parlant d'urgence climatique, Monsieur le Président, la majorité des jeunes réalisent que les changements climatiques, c'est sérieux. Dans les mémoires soumises dans le cadre de la politique jeunesse du gouvernement, ils sont nombreux à réclamer la fin des subventions à l'industrie pétrolière. Pourtant, le gouvernement libéral continue de lui donner des millions en cadeaux. Au NPD, nous reconnaissons l'urgence d'agir dans la lutte au changement climatique. Nous demandons des objectifs ambitieux de réduction des GES et l'arrêt du projet Trans Mountain. Le gouvernement reconnaît-il l'urgence d'agir? Va-t-il appuyer la motion du NPD et réclamer l'urgence environnementale et climatique? Bravo. L'environnement. Nous reconnaissons qu'on a une urgence climatique. C'est pourquoi nous avons une motion sur l'urgence climatique. D'un côté, nous avons le Parti conservateur. Pas de plan sur les changements climatiques, pas de plan pour l'économie. Ils nous disent des choses qui ne sont pas vraies sur le coût d'un prix sur la pollution. De l'autre côté, nous avons le NPD. Un flip-flop sur le plus grand investissement de l'histoire du Canada, LNG, qui va aider des pays en voie de développement à enlever du charbon. Nous devons faire les deux. Nous devons attaquer le changement climatique. Nous devons croître notre économie. Nous faisons les deux ensemble.